Bonjour. Asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes Lorik Keen. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas? En quoi un vieux Turien comme moi peut-il vous aider? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Tanyara est transparente. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Carrément. Vous avez un plan? Oui, cependant il y a... Quelle est cette charmante expression humaine? Un tic? Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Je vais les récupérer, vos preuves. Peut-être même sans effusion de sang, allez savoir. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur. Et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. Ouais, enfin ça va, je suis pas ta femme de ménage non plus. Hein. Alors? Vargas a compris mon manège et il est parti. C'est fâcheux. Mais je suis mal placée pour vous en vouloir. Bref, il va falloir que je trouve un autre cheval de Troie. Une seconde. Et ma récompense, vous en faites quoi? Pour avoir fait détaler le gibier? Je ne vous en veux pas, mais ne tentez pas le diable. Au revoir, Spectre. Eh, ouh, ouh, ouh. Reviens ici. Putain, mais ils se téléportent tous, quoi. C'est génial. Alors. Bon, bah, il faut qu'on reparte, hein. Liara va se mettre à nous faire des danses sexy, là. Je recoiffe mes tentacules. Ouais. Alors, l'ascenseur... Salut. Ne nous faites pas regretter de vous laisser porter ces flingues. On a une arme secrète. Le sergent Sterling est une biotique. Et il vaut mieux éviter de s'y frotter. Vous avez intérêt à filer droit avec l'administrateur. Sinon, vous risquez de finir comme Lorik Keen. Vous trouverez un tas de gens avec qui bavarder sur cette place. Moi, je suis en service. Noveria est une propriété privée. Le directoire tolère tout juste votre présence ici. Ne nous faites pas regretter de vous laisser porter ces flingues. Ouais, non, c'est quand même beaucoup d'infos pour des gens qui veulent pas parler. C'est vous le spectre? Oui, c'est moi. J'étais technicien dans l'armée. Par les gars de Maeko, les gens sont trop coincés ici. Ils se détendent en sirotant de la flotte hors de prix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Vous m'avez l'air de tout savoir. Quelles sont les nouvelles dans le coin? Il y a les problèmes du pic numéro 15.
Synthetic Insights a été fermé par Anoleis, et une matriarche est arrivée récemment. Ouais, c'est elle que je veux choper. Vous savez où est cette matriarche maintenant ? Vous êtes à sa recherche ? Elle a pris une navette pour le pic numéro 15 juste avant le blackout. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis le chef mécano d'Anshan. Appelez-moi Lee. Les humains ont du mal à dire mon nom complet. J'ai une équipe de 12 gars. On entretient les navettes de transport qui transitent ici. Ça va. Quel genre de problème y a-t-il eu au pic numéro 15 ? Aucune idée. Il y a bien du blizzard, mais c'est pas la première fois. En tout cas, ça a jamais coupé les communications satellites. Mm-hmm. Ce complexe a toujours eu une sale réputation. Personne ne parle de ce qu'il y fait, et les gens qui en reviennent sont plus silencieux. Quel est le problème chez Synthetic Insights ? On raconte que l'Orikin se serait servi dans la caisse et qu'Anoleis aurait fermé ainsi pour cette raison. Comme ça, aucun avocat de l'extérieur ne risque de se mêler de cette affaire. Comment on accède au garage ? Il vous faut un pass. Vous pouvez en obtenir un auprès d'Anoleis ou des responsables, si vous leur cirez bien le gésier. Vous pourriez peut-être me prêter le vôtre ? Bien sûr ! Si je voulais perdre mon job et avoir un procès aux fesses, la sécurité surveille leur utilisation. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Tu comptes faire quoi pour moi ? L'accès au garage nécessite une autorisation. Très bien, je passais juste dans le coin. Bonne journée. Ouais, bonne journée, ouais. Alors, avant d'aller au garage, on va aller faire un petit tour. C'est sympa, mais c'est quand même un peu mou, les passages dans les bureaux, tout ça. On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous-scellé. Que faites-vous dans ces bureaux ? C'est un ordre de l'administrateur. L'Orikin fait l'objet d'une enquête. D'une façon ou d'une autre, je vais entrer. Autant que ce soit sans vous truffer de plomb. On va dire qu'on ne s'est jamais vu, d'accord ? Vous cherchez les ennuis ? Pousse-toi, Lyra. Elle désurchauffe un jour ou pas, mon arme ? Il lit quoi. Mais cours, Gogol. Il m'en reste deux. Celle-là, j'arrive pas à la toucher. Par contre, si elle pouvait arrêter de s'accroupir.
Lâche-moi ce mur, con de toi. Ça va, Lyra? C'est très très mal géré, excusez-moi. Un homme du nom de Garand cherche des informations sur la destination de l'un de nos transporteurs. Il pense que le vaisseau de son frère a été attaqué par des pirates dans le système Strenus. Enquête en cours. Ok. Ouh, perforant 3. J'en profite pour nettoyer un peu mon inventaire, puisque faut tout le temps le faire dans ce jeu. Non. Il se fout de ma gueule. Il vient de me passer le capteur de combat 3 en omnigel alors que je lui ai dit non. Ok, les petits loups, en avant. Fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil de précision. J'aurais dû tout foutre en omnigel direct. On entend tout le monde, mais personne nous n'a entendu la fusillade. Ah, Banshee 3, je vais le prendre pour... Je vais le prendre pour... Garus. Non, c'est pas ça. Tiens, mon Garus, équipe-moi ça. Tu te sentiras mieux. Et Lyra, elle a quoi? Prends le Banshee 2. Voilà. Beaucoup mieux. Ah, c'est un faux escalier, je ne peux pas monter. C'était pas un escalier, c'était un mur. Lol. On sait jamais, ça peut servir. Ouvre-toi. Ouh, des grenades. Ouais, non, je prends. C'est tout. Ça, c'est des fausses pièces.
C'est quand même vachement bien étudié pour le combat, leur bâtiment, je trouve. Hein. Et effectivement, il n'y a pas de moquette attachée. Ah, niquez-vous! Mi! Attendez. Alors, fusil à pompe, j'ai quoi? Lyra, elle a quoi un fusil à pompe? Et Garus? Ok, donc tout le monde a mieux. Tout le monde a mieux que ça, donc on va pas s'emmerder. Pistolet. Et sniper. Il fait beaucoup plus mal celui-là. Le Reaper 2. Celui-là est peut-être plus intéressant dans le sens où il fait un peu plus mal, mais il a plus de précision. Alors que les autres ont tendance à avoir moins de précision. Elle a mieux. Et toi? Armure médium, d'accord. Ça, c'est exactement la même chose. Et vous, vous pouvez pas les porter. Bon, bah écoutez. Je vais tout transformer parce que pour le moment, j'ai besoin des omnigels plus que d'autres choses. Est-ce que Poppy arrivera à faire un overdrive avant la fin du live? Mais en fait, ça me stresse les overdrives. Je sais pas pourquoi. Mode de munitions. Ouais. Donc là, là, ça va être blindé d'ennemis, c'est ça? Un jour, j'arriverai à refaire les overdrive. J'y arrivais bien avant. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mademoiselle... Tiens, vous commencez à apprendre le respect. Je suis le sergent Kyra Sterling. Je travaille pour le RCS. Annolis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Vos hommes sont véreux, sergent. Vous n'êtes pas en service et la corruption est illégale. J'ai une mission à accomplir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en fous. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Ok. Je vais te tuer. Ok. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Oui, tu te répètes un peu, madame. Ah, mais en fait, je suis bloquée, je peux pas bouger de là où je suis. Mais sérieux, je me suis coincée dans un vieux mur, je pouvais rien faire, quoi. Ouais, c'est pas grave, on va la refaire.